le lundi en caserne, c'est une chose qu'ils n'avaient jamais eue. Arrivés sans se presser au 2e régiment étranger d'infanterie, les joueurs de l'USAM ont rapidement été mis au pas de charge. Là, la fosse, ça fait environ 2,20 m de profondeur. Et vous avez 5 secondes pour sortir. 5, 4, 3, 2, 1. Non, c'est pas si vite. Au programme cardio, renforcement musculaire et parcours du combattant. Une première pour ces sportifs qui n'ont pas connu le service militaire. Ouais, super, là on se régale. C'est un peu atypique, on n'est pas l'habitude de faire cet effort là. Il nous a un peu tué physiquement, mais là je pense qu'on va mourir. Main gauche sur la chaîne, voilà. C'est que du bonheur. Attentif, ouais, c'est rigolo, c'est sympa. En plus avec les copains, c'est sympa. Ça change un peu de l'entraînement habituel. Maquillage commando, made in Nicolas Zenz. Tes impressions? J'ai pas le temps, faut y aller. Objectif de l'opération, préparer la deuxième partie du championnat. Un championnat où l'USAM, qui pointe à la 11e place sur 14, compte bien se maintenir, d'où cette piqûre de rappel sur des valeurs communes. L'honneur, la combativité, le dépassement de soi, et ça c'est des choses qui font partie de notre ADN, de notre handball. Ce sont des éléments qui vont être prépondérants et indispensables, incontournables à notre réussite. Si la Green Team n'est pas encore prête à troquer maillot contre béret vert, ce lundi en caserne aura sans conteste permis de souder les troupes.